Bienvenue dans la Minute Conseil des pépinières et roseraies Georges Delbar. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la taille des fruitiers palissés. Ce type d'arbres, qu'ils soient palissés en U simple, U double ou en cordon, permettent de délimiter un espace ou d'habiller une façade. Pour la taille, il faut un sécateur, un ébrancheur, une scie et un escabeau selon la hauteur de votre arbre. La taille de vos arbres fruitiers est importante car elle permet d'optimiser la récolte et le développement de vos arbres en permettant à la sève d'atteindre plus rapidement les bourgeons à fruits. Pour cela, coupez d'abord tous les bois secs et les branches malades pour obtenir une branche saine. L'idéal est de couper à trois yeux, à environ 30 cm de la charpentière. Coupez les branches qui partent en dessous, celles qui montent et celles qui rentrent à l'intérieur. Gardez bien en vue que tailler permet de créer un puits de lumière. La scie et les brancheurs vont vous permettre de tailler les branches que vous n'arriverez pas à couper au sécateur. Voici le résultat après la taille. À bientôt pour la Minute Conseil.